18% d'annulation dans les hôtels et gîtes de Lille, restaurants fermés par manque de ravitaillement, loueurs de voitures bloquées. Avec la crise sociale qui secoue Mayotte depuis plus de 2 semaines, l'activité touristique est en berne. Un coup dur pour les professionnels du tourisme. Nous n'avons plus qu'environ 1 semaine de stock sur le site de Sakouli, afin de pouvoir nourrir donc nos clients qui, en pleine période scolaire, justement, de vacances scolaires, ont besoin de se restaurer, tout en sachant que tout Mayotte, aujourd'hui, ne peut nous fournir quoi que ce soit. Dans ce gîte à Tsonzou 2, qui accueille essentiellement une clientèle en provenance de la métropole, c'est le désert. Toutes les réservations ont été annulées. On tourne à vide. On n'a pas des clients, les clients annulent des paris, de Paris, de La Réunion. Nous, on a des clients qui sont arrivés hier à Dzaoudzi, ils étaient obligés d'annuler parce qu'ils avaient peur de venir jusqu'ici. 0 client, je ne sais pas si ça continue comme ça, si on ne sera pas obligé de fermer l'établissement. Aujourd'hui, on est pris en otage sur Mayotte. J'appelle très fortement tous nos élus de trouver une solution très très rapidement parce que la conséquence sera très très lourde par rapport à l'image l'île naturelle, l'île au lagon. Peu d'hôtels accueillent encore des touristes comme ici à Sakouli au sud de l'île. Pour acheminer la clientèle depuis l'aéroport, le trajet se fait en bateau. Donc nous avons déchargé nos sacs et nous les avons portés dans le... Mais il y avait une forte houle. Et bon, on était mouillés à peu près jusque-là, quoi. Là. Et l'arrivée, ici. L'arrivée. On a eu la possibilité de faire des promenades, mais c'est des promenades en mer. Donc, voilà, quoi. C'est bien, et de notre côté, c'est pas bien, parce que là, on va repartir sans avoir véritablement visité Mayotte. Deuxième secteur d'activité économique de l'île, avec un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2010. Le secteur a pourtant mis la barre haute, accueillir à l'horizon 2025 120 000 touristes par an.